gars, content. En étant à Bali en plein milieu de la saison des pluies, forcément c'était obligé qu'on allait avoir quelques jours de pluie. On s'en était bien sorti pour l'instant, mais là, du coup là on a eu quelques jours vraiment vraiment pourris. Plaisir. Trempé. On est bien à l'intérieur, hein. Ouais. Ok, donc là on est prêt. Il se remet à pleuvoir des cordes. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon? Ah ouais, non mais là, franchement, le, ça là, meilleur investissement du trip, hein. Mais vraiment, mec, c'est le truc que j'ai. Entre le sac qui a fait le taf pour protéger le matos et ça, les deux dingueries, hein. Vraiment, mec. Qui est-ce qui rebouge encore? C'est nous. On aura fait des chambres. Ouais. Coucou. Mais dis pas que c'est pas vrai parce que je vais être touché à fond. Y a un bébé gecko sur ma veste. Oh, mec, ça va vite. Voilà, on a tous les deux un énorme lit. Et oui, c'est bien Uluwatu qu'on voit sur les images. Ça fait mal de le voir comme ça. On se croirait en Vendée en plein hiver, mais bon, on peut pas toujours être parfait. Comme c'est une île, on a pu se diriger de l'autre côté. C'était un peu contraignant de devoir faire toujours la route en scooter parce qu'on était logé sur Uluwatu. Et on a dû en fait aller de l'autre côté, là où le vent était bien orienté. Le scoot là c'est à 45 minutes de scoot donc c'est un peu relou. Mais bon, on va faire avec. On va se mettre une petite session, donc on va rejoindre des potes, ça devrait être cool. Je pense que t'as surfé là, tu peux. Ah non. Quelques vagues, c'est pas la session de l'année, mais en vrai il y a des petites vagues, c'est cool. C'est le seul endroit où le vent il est bien orienté, c'est pas trop mauvais pour l'instant. Je pense que sur le retour je vais me taper la pluie. C'est une galère pour sortir de l'eau. Il fait trop mal le corail. Même pas encore rentré dans l'eau. On s'est pris la saucée de ouf. On est trempé. Rentable, hein. C'est bien, bon, on est pas, on est même pas allé dans l'eau qu'on est déjà trempé. Ouais. Bon, on n'a pas fait de déplacement pour rien, ça a l'air vraiment cool, des bonnes vagues. Donc bon, on va voir ça. Enfer, là, loin il s'est levé, il y a des mouvements d'eau dans tous les sens, là je sais pas si c'est qu'il y a trop d'eau ou quoi. Mais ouais, il y a plus trop de vagues, ou quand il y en a, elles sont vraiment pas ouf, il n'y a pas d'épaule.
assez repos. On a surfé ce matin. Et voilà, cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose. Il fait pas hyper beau. Il pleut pas, mais il fait pas hyper beau. Du coup, on sait pas trop quoi faire. Et puis en fait, il n'y a pas de vague à Oulu ou pas loin. Du coup, on est obligé d'aller à 45 minutes là, à Nusa Dua et tout pour surfer. Donc c'est un peu relou. On peut pas faire 36 heures dans la journée ou alors faudra rester là-bas tout le temps. Bon, un peu relou, mais bon, on a pu surfer ce matin déjà. Et là, on va voir ce qu'on fait. On va peut-être pas faire grand-chose cet après-midi. Et puis demain, on resurf ou on verra des activités ou quoi. On chill, c'est les vacances. Hein, c'est les vacances. Ça pourrait être les vacances, c'est les vacances. Petite piscine. C'est les vacances. Juste avant d'aller surfer, prendre un peu de force. C'est encore on partout là au milieu du coup, je suis obligé d'aller de l'autre côté à 45 minutes là, à Nusa Dua. Du coup on va faire la route et puis on espère qu'il y aura des vagues. Normalement la route devait rentrer aujourd'hui, donc le feu ouais, il devait rentrer ce matin, donc on espère qu'il soit là. Ça fait 3 jours qu'on n'avait pas vu le soleil ici là. Ça fait plaisir, même plus en vrai, ça fait 5 jours qu'on n'avait pas vu le soleil. Ça fait plaisir. Mais les vagues, hein. Oui, vous vous rendez pas compte de la taille parce que c'est vraiment hyper loin. C'est grave. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Allez, d'abord. On va kiffer un peu. On a une longue rame là. Ce qui me fait chier, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Ça va être un peu chiant pour passer. Je sais pas si on va voir. Elle a l'air de bien marcher. Mais ce qui fait flipper, c'est qu'il y a personne. J'ai l'impression qu'il y a genre, vraiment pas grand monde par rapport à hier. À mon avis, c'est encore un peu trop bas. Yes. Trop mal le riff ici. Putain, y'a personne à l'eau quoi. Y'a deux gars derrière moi. Et y'a des mecs au fond. Mais y'a pas grand monde. Je vais faire gaffe quand même. Je me suis fait rejeter sur le riff là. Il y a plus d'eau. Ça m'a ramené au bord là, il n'y a plus d'eau. C'est chiant. Je dois refaire le tour. Ah.
Update, je me suis fait sortir dans le lagon. Ça me rend fou parce que là c'est hyper loin pour repasser la barre. Et bah j'ai déjà fait une fois et c'était chiant donc. C'est bon, je l'ai fait, je suis revenu. Allez, Joe. Vous voyez pas dans la vidéo, mais du coup je me suis retrouvé en plein milieu de la tempête. Le vent s'est levé d'un coup avec la pluie qui arrivait, dans un pont où il y avait plus du tout de vagues, c'était vraiment plus du tout surfable, impossible de sortir de l'eau. Du coup j'ai dû attendre je pense une bonne demi-heure que la petite tempête passe, et une fois que ça s'est calmé j'ai réussi à choper une petite vague pourrie parce que du coup le plan d'eau était devenu dégueu et j'ai réussi à sortir. Ok, bon du coup au final aujourd'hui là j'ai surfé ce matin, puis après là on est resté dans l'endroit où on dort parce que bah, y avait plus trop de vagues l'après-midi, il y avait du vent, et puis on a fait un massage balinéen. On a fait des petits trucs ici, c'était cool. Et puis, bon, on ressort demain peut-être, on verra. Là, on va se caler là, je vais vous poser une petite nouvelle pour vous. Bon, du coup, on est bien installé, désolé, il y a un peu de bruit, il y a des gens qui font du bruit autour, mais j'ai pas trouvé d'endroit plus calme. Je suis super content pour vous annoncer que je suis sponsorisé par Wellsuit. Donc, c'est une marque que j'apprécie énormément, ça fait pas mal d'années, ça fait 4 ans maintenant que je les connais. J'avais déjà eu une de leurs combinaisons à l'époque, on avait déjà discuté ensemble. La première combinaison de 4 ans que j'avais eue de chez eux, elle date d'il y a au moins 4 ans, et franchement, je l'avais jusqu'à cet été, je l'avais toujours, c'était grave. Du coup, c'est vraiment un plaisir, ça fait quelques semaines qu'on discutait ensemble, j'ai eu l'occasion de faire un jeu concours sur Instagram. Je suis vraiment très heureux de pouvoir les soutenir et qu'eux en retour ils me soutiennent aussi. J'ai actuellement pas fini de discuter de tout ça, donc c'est pour ça que là j'ai pas à l'heure actuelle le code promo. Mais au moment où la vidéo sortira, je vous mettrai ici. Il y aura du coup un code de réduction pour vous, ça fait juste là, donc ça aussi c'est super cool. Peut-être en intéresser certains, ça peut me soutenir aussi. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'une nouvelle combinaison, n'hésitez pas à aller sur leur site. Les informations aussi seront en description. Je les remercie, je vous remercie aussi énormément parce que du coup c'est en partie grâce à vous que j'ai cette opportunité aujourd'hui. Du coup, je vous en remercie. J'ai la bande qui est là, on va mettre les petits stickers. C'est une étape plutôt cool. Vous verrez ça en timelapse, je pense. Je vais accélérer parce que bon, c'est pas très intéressant. Nous, on va se retrouver demain. J'espère qu'on aura des vagues cool. Et puis, let's go. Hein. Et bonne année. Hein. Et bonne année. Hein. Après je pense que vers midi je vais manger vers midi, et puis après direct je trace. Là pareil, il y a toujours du vent ici, donc faut qu'on aille de l'autre côté. Il faut reprendre le scooter, c'est vraiment relou ça, mais bon, il y a des vagues derrière. On va espérer avoir des bonnes sessions et puis se gaver quoi. J'ai encore cramé sur le nez, ça rend un plaisir. Et déjà première galère. Mais j'en ai marre, j'ai pas de chance. Bah, mon scooter, moi c'est un truc avec qui laisse comme ça là. Genre ça détecte la présence de la clé. Et ce matin, genre ça fait 3 fois qu'il me fait le bug, mais là il a détecté plus, du coup je fais plus démarrer. Du coup on a plus qu'un scooter pour deux, il a plus de scooter. On part dans 6 jours, donc flemme de faire venir le mec, il change le scooter et tout, putain j'ai trop le son. Au revoir. Quel mec. Les mecs, souris à la vie, il fait beau. Non il pleut. Mais non il pleut pas. Allez let's go. Après les galères du Titon, lui il est bloqué là. Mais je vais surfer. Vous le voyez à la GoPro, c'est vénère. On me demandait où est-ce que je vais passer.
parce que c'est vraiment solide. Donc on va attendre la calme. Et puis il va falloir y aller après. Toujours avant même d'avoir une ride. Je sais pas combien de temps, mais je pense que il va bien faire une heure entre le moment où j'ai marché sur la plage, le temps de passer le lagon. Donc je galérais là au bord après la ride. Il y avait un jus de ouf qui tire et qui te ramène dans le lagon. Et puis il n'y a pas d'eau, donc tu peux pas faire de canard, enfin, c'est un enfer. Et après, j'ai pris des gros sets sur la tête. Je peux pas tout filmer parce que ça ne sert à rien. Et puis j'avais autre chose à m'occuper que la GoPro. Allez, maintenant on va surfer un peu. Hyper long à venir, c'est hyper long et voilà, ça fait 2h30 que je suis dans l'eau déjà, presque 3h. Et j'ai eu 4 vagues, je crois, 4-5 vagues, dont 2 vraiment bonnes. J'ai eu 2 vagues vraiment cool, hyper longues. Mais ouais, vraiment long à venir, il y a un peu de monde dans l'eau, il n'y a pas tant de monde que ça en vrai. Mais ouais, les sets ils viennent toutes les 15-20 minutes. T'as genre 3 vagues par set, c'est un peu bizarre. Et puis là, ça commence à devenir de moins en moins calé, j'ai l'impression. Donc on va essayer d'en prendre quelques-unes encore et puis peut-être que je vais pas trop tarder. Ok, bon du coup là j'ai mangé, je me suis pété le bide ce midi là en rentrant de Nusa Dua là où j'ai surfé ce matin. Et puis du coup là je suis allé checker vite fait Uluwatu et improbable, enfin il n'y a pas de vent. Du coup la vague est pas très propre, genre vraiment c'est pas le Uluwatu parfait comme on voit, mais il y a carrément des vagues, il y a un peu de monde. Du coup je me fous à l'eau la deuxième petite session, là je suis bien mort ce matin, j'ai surfé un peu plus de 3h et puis j'ai bien ramé. Mais bon on va voir ce qu'il y a, si j'arrive à surfer quelques vagues ça peut être cool. Donc voilà, je vous emmène avec moi, allez c'est parti. J'ai pas aussi la bonne board, mais j'ai pas changé, je pensais, je suis juste venu le checker comme ça directement. Mais bon c'est pas grave, on va s'amuser quand même.
lui ses conneries, oui, on peut pas être tranquille 5 minutes. Les gars, faut lui dire que il me croit pas que les mouettes, y en a pas que à Bretignolles. Si, y en a ailleurs, mais je savais pas qu'à la connerie, il y avait des mouettes. Tu pensais que c'était réservé à la Vendée, les mouettes? Non, mais genre vers là où il y a des ports ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'ils viendraient foutre à la cano, les mouettes? Y a quoi là-bas? Bah, manger du poisson. Ouais. On va arrêter cette discussion là. Allez, sur ce, bonne nuit. Bon, du coup, aujourd'hui c'est trop cool, il fait hyper beau. Je pense que je vais cramer dans l'eau. On a la board qui est là. On va aller surfer à Oulu, je pense. Il y a des petites vagues, c'est pas la bonne marée là, c'est marée basse. Mais après, on doit rendre la chambre et tout. Après, on va bouger cet après-midi. Donc, j'aurai pas trop le temps de surfer, c'est un peu le seul créneau. Du coup, on y va quand même. Il y a Titan qui est déjà là-bas, mais lui, il surfe pas. Il va se poser sur le cliff. Voilà, ça devrait être sympa. Bonne petite matinée encore. Il fait beau. Allez, let's go. Bon, allez, j'ai un peu plus d'une heure de surf. Ça devrait être fun. Il y a quelques vagues, même si c'est bas. Allez, let's go. Alors là, on va se marrer. Bon, allez, là, les gars, on va bien se fendre la gueule. Parce que c'est marée basse, c'est Uluwatu. Et là, on regarde à côté. Ah bah alors là, ça va. Oh putain, il va faire frotter les fins. Mais non. Pas d'eau. Y'a pas d'eau. Bon alors, Kiki, je sais pas ce qu'il fait là. Il s'est fait tirer, il est rendu tout là-bas. On va bientôt le perdre. Ah, le fuck. Il disparaît. Adieu! Il disparaît avec le courant. Ah, il s'est fait tirer, hein. Les autres, ils ont pas ramé, là, mais à mon avis, ils se défoncent les pieds aussi. Je sais pas quelle est la meilleure technique. Parce que là, Kix, il a disparu là-bas. Il est rendu à pas d'angle. Bon, le Kix, il a pas voulu marcher sur le reef. Il est rendu à pas d'angle. Ah, je le vois plus du tout, là. Et eux, ils statuent une rame quand même. Il n'y a vraiment pas d'eau. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit bien que c'est bas quand même. Changement d'objectif, il a réapparu. Incroyable pour ces vagues, mais je l'ai un peu niqué sur le reef. Elle prend un peu l'eau sur un rail, du coup faut que je l'ai mis à réparer. Du coup j'ai que celle-là.
Allez. Putain, je suis content, j'ai eu le bon là en sortant. Taxi du mec, mais les deux roues sur le côté. Pas trop filmé, on n'avait pas trop fait grand chose. Moi j'ai chopé une intox alimentaire hier, j'étais trop dans le mal toute la journée, enfin je l'ai chopé avant-hier, j'étais trop dans le mal et tout, puis même avant il n'y avait pas de vague hier non plus, de toute façon je pouvais pas surfer, je vous dis il y a toujours pas de vague, voilà, on chill, ça prend le vent quoi. Ça prend plus le vent que le soleil là. Ouais, il y a full vent, donc c'est un peu mort. Donc ouais, je pense qu'on va se balader un peu cet après-midi. Puis moi je vais récupérer tranquillement parce que vraiment, j'étais vraiment dans le mal hier. Et puis on va profiter des derniers jours là, il nous reste 4 jours. Et puis après ça va rentrer en France. Hein. On va pas se plaindre, franchement il y a pire pour prendre le vent quand même. Petite piscine, du soleil. Puis on espère pouvoir surfer demain. Encore un peu, dernière session, on va profiter. Et puis après, retour maison. Hein. Trip, dernier jour là, on fait les bagages. Il est en galère parce que son porte-bag il est trop lourd. Après, la balance elle est pas très fiable, je pense. Oui, la balance elle est pas très fiable. Mais bon. 100€ le kilo, merci. Oh ouais, c'est la fin, ça fait vraiment chier. Mais bon, après, on a bien profité là pendant un mois.
Moi du coup j'ai pas pu trop profiter à fond des derniers jours, là j'étais vraiment malade. Mais en vrai vraiment incroyable ce petit trip. Je pense qu'on reviendra. Et puis là retour à la réalité, retour en France dans le froid. Il pleut toute la semaine. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette petite série de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Et puis si jamais vous voulez d'autres concepts comme ça, si jamais vous avez vraiment kiffé le format, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, c'est hyper important. Et alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais... Il est thune. Des thunes. Voilà, allez, sur ce... Et sur ce... Dernier petit tour à la piscine. Du coup, c'est ici que cette petite série d'épisodes sur Bali se termine. Elle se termine un petit peu mal avec moi qui était vraiment pas bien sur les derniers jours. J'ai presque pas filmé parce que vraiment j'étais trop dans le mal et je faisais rien en fait, je pouvais vraiment rien faire. Donc même en rentrant en France, même pendant le trajet, ça a été vraiment compliqué les premiers jours en France. Au moment où je fais cette vidéo, ça va beaucoup mieux. J'espère que vous aurez kiffé ces petites vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si vous avez kiffé ce genre de format pour savoir si c'est quelque chose que je peux refaire par la suite. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré filmer, faire le montage, etc. C'était vraiment quelque chose de cool. J'ai eu l'impression que sur les premiers épisodes, vous avez eu l'air de pas mal kiffer. Donc ça, c'est vraiment top. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour me soutenir si jamais c'est le cas. Ça peut te paraître rien, mais pour moi, c'est vraiment hyper important. Moi, depuis ces quelques semaines, j'ai eu l'occasion de refaire quelques sessions en France bien cool. Ça sortira sûrement dimanche prochain, donc reste à l'affût. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!